début de week-end, Biscayens sont besoin de Bakwa Kolanda. Rendez-vous de patriotes, Manaka, il y a beau set au Brumasana Kolanda. Bongo chaque week-end, Bisika plutôt Yaka Koso, la paix qu'on analyse la mosine. Donc, penza, actualité ou est dominée qui na semaine. Du coup, on a un gros tout ça, car toujours on en a baillé. Oh, bah, ça, la ka actualité pour la couille, Bisabino Nini et Salema qui paie pour la Nini et Salema qui le lot particulièrement. Tout y'a un bel ébino. Ndeko India Omari, analyste stratégique, cadre du PPRD. Au moyen, Atika Raiste, après que Batignon soit Kati Sangambo, Molambo Kambo Tenayo, Peboye Bolam na plateau Nabiso. Ah, merci, hein. Mbo Tenabino. Namoni couple ya Bosembo. Au dévoilé Ango, Nazanga mon côté, na plateau, tout en déco Jacques Mounene, bonjour et bienvenue. Bonjour très chère Naomi Mpila. Merci. Merci beaucoup, merci à vous très chers téléspectateurs, bonjour Landabiso partout dans le monde, na cadre à Manaka et à Bosset. Avant d'aller plus loin, notez que l'appel lancé par le chef de l'État à la mobilisation pour mettre hors d'état de nuire le rebelle du M23 semble faire son effet dans, dans la province du Nord Kivu. Plus de 3000 jeunes se sont enrôlés dans l'armée ces derniers jours. Un assaut patriotique. Suivons ces reportages et retrouvons-nous juste après. L'appel du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la mobilisation générale de tous les Congolais, commence déjà à porter des fruits. Ce samedi 5 novembre 2022, 3325 jeunes, hommes, femmes, se sont fait recruter à Goma, dans la province du Nord Kivu, au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, en vue de défendre l'intégrité territoriale face à l'agression rwandaise sous couvert du M23. Pour rappel, les relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda se sont détériorées ces derniers temps avec l'expulsion de l'ambassadeur rwandais en poste à Kinshasa, M. Vincent Karega. Une situation due aux récents affrontements sanglants entre les forces loyalistes et les rebelles du M23 soutenus par les forces rwandaises. Ndeko India Omari, Olandi Penza na boke bibilili o, j'espère que Olanda ki angope au courant ya semaine o yo réaction na ya liboso za ki ni tango moni bilenge ba ndimi mbela ya mokonzi ya mboka kokota na kati ya mapinga pe kobunda ekolo. Bon, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, c'est à encourager. Mais il faut une orientation de guerre, il faut que tu respectes la loi dans mon cas. Bon. Il y a un certain moment, na senga loi de programmation ya armée. Na biso. Il y a un certain moment, comme expert, il faut que le Parlement, na biso, le gouvernement, na biso, exécutif, na biso, et milengele. Pour passer la loi rapidement et la programmation, il y a armée Nabisso. Deuxièmement, on ne sait pas les mots cannabis et Zali n'a besoin à combien en termes il y a. En termes il y a besoin, il y a priorité. Bon. C'est bien. On doit nous dire quel est le nombre qu'on veut par rapport au budget qu'on vient de mettre. Ça doit être défini. Troisièmement, mais la même conception, rentrons si tu veux rentrer en arrière. Le président de la République, Otto Bengaye, Mokonzi Mapinga, Azali, commandant suprême de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Il y a d'autres qui m'appellent même commandant suprême de la police. Non, non, il n'est pas commandant suprême de la police. Ni du service national. Il se limite dans ma structure Yassika au changement depuis mon cousin Abisso, Joseph Kabila Zalaka, président, à ça la réforme y a armée dans ma service de sécurité. Les lots, il y a une différence. C'est l'armée dépend. On comprend des années à mon cousin Ango. Oh, bah, ben, commandant suprême. Donc les contextes ne sont plus les mêmes. Oui. Police et comment dépend d'un gouvernement, c'est-à-dire d'un ministère de l'Intérieur. ANR, la même chose, comment dépendre d'un ministère de l'Intérieur.
C'est-à-dire que non, il faut faire la part des choses par rapport à l'appellation à un commandant suprême. Et Tozongi, Mokonzi, accueilli na 77e Assemblée des Nations Unies. Oh, bah, président Bakoutanaka. Alobi, nous sommes agressés. La République démocratique du Congo est agressée. Il a cité l'agresseur Rwanda, qui agresse. Bon, écoutez, ceux qui ont fait les droits internationaux, ceux qui ont fait les relations internationales, quand on voit l'acte, et on le dit, et on vit, à son retour, il a déjà dit ça au niveau des Nations Unies, il devait les concrétiser par des actes. Oyo. Non, ça ne se fait pas comme ça. Mobilisation générale. Voilà les interviews. Message à la nation, les interviews. C'est-à-dire le président devait rentrer à Zongi Namboka Nabiso à Sali à se conformer à l'article 86. Il fallait attendre Mokoloto d'abord à informer le gouvernement et d'abord le Conseil supérieur de défense, la PCB stratégie, à s'allier au Babengi régime d'autorisation, c'est un parlement, des chambres, va autoriser, dans le conseil des ministres, va délibérer. Après qu'on délibéré, Azui Mokoloto a signé ordonnance et a déclaré guerre. Pourquoi? Parce que quand il a dit aux Nations Unies que nous sommes dans une guerre d'agression, c'est une guerre d'invention. On a envahi notre pays, guerre d'invasion. On a occupé une partie de notre territoire par l'armée extérieure. La constitution de la République lui oblige. Bazo obligé Mokonzi Mboka à la déclaration de guerre pour orienter la guerre vers. Alors, ce moment-là, à quoi se conformer, après que ça les Lokwana. À Kosalango, conformément à l'article de la Constitution, à l'article 143 de la Constitution. Voilà les aliments quoi, bah étape. Zela la website. Tant qu'on s'allie le Kouana, article 143 et l'obini. Et l'obi, après qu'on s'allie le Kouana, c'est maintenant que le chef de l'État va passer pour adresser un message à la nation, conformément à l'article, à s'allier un message à la nation. Mais, on ne peut pas aller comme ça là, charrie avant les bœufs. Au bon, il faut déclarer guerre, il y a un tâtonnement, mais on s'adressait à la population. Vous parlez qu'avant d'Akimia, le côté, il devait se non, mais alors que son pays est agressé. Constitution, mais lobby, Mobek Oli Konzi. Et lobby a ça la déclaration à guerre. Aïe Bissabiso. La guerre signifie quoi? Et à orienter Bissot, quel est le comportement que la population, parce que la guerre est à blague, Niti. Monsieur India, mais seulement le chef de l'État a dit si la première option ne marchait pas, on allait opter pour la seconde. Mais jusque-là, est-ce que vous êtes sûr que première option est simbité? Mais Nalobi, boy, parce que avec c'est quoi la première option? Parce que avec cette stratégie, ouais. Le chef de l'État a fait une allocution à la nation, à l'obéli nation. R à l'obéli nation, tomoni mobilisation, l'engagement ko et commun à Katina Bissonion sur la politique. Donc, qui veut dire que même diplomatiquement, Ezali a un impact et s'il y a une bon, on a besoin de comprendre. Ce qu'on recourut n'a pas beaucoup. Il y a Sciences Po. Au moment où Clausewitz a lobby, la guerre est le commencement de la politique par d'autres finalités. Ce qu'on tangi ou continue, au terme de ce lobby, qui prépare la paix prépare la guerre avant tout. C'est-à-dire, la guerre elle-même est divine. C'est un concept de Dieu qui vient de Dieu. Tu ne peux pas gérer Mboka sans que Oye Banenge Babundaka.
C'est pour cela que notre temps le pouvoir, ma pesa qui ma pinga li. Mais s'adresser à la nation. Maman, parce que oui. La constitution a voté. Attendez. Discours, message Oyo. Ce que l'on dit, c'est l'article 77 de la constitution. Oyeba, le lingue nini, mon conseil a s'adresser à la nation, a faire passer message à la nation. C'est-à-dire. Et là, quand ils ont un concept, ils ont se conformer à sali interview naïe, à lobby naïe. Ils ont cette imposa qui par rapport il y a tant d'autres. Mais ce n'est pas un message qui doit. Mais il a dit clairement que il a participé na bata union sur il y a diplomatie apparemment et qu'il a aussi mandat. À sali appel na mobilisation une façon pour nous de nous préparer pour la macabre et aussi le. Yozo kate que non. Monsieur India. Tout monsieur Soubazo qu'on pense préalable par rapport à. Mais ce qui a déclarer la guerre, ça devait être constitutionnel. Loi devait fixer les modalités pour nanini comment nous devons nous comporter pendant cette période. Maintenant, comment on se comporte? Quel est le soubassement juridique et le message du chef de l'État? Pardon. Soubassement juridique. Monsieur, quel est le juriste qui va passer ici, ici sur votre plateau, pour na koloba que non, soubassement attiré discours sur basement juridique et discours naïe sur base et à tel texte. Monsieur, il n'y a pas de répondre parce que apparemment Batillo se va répondre. FCC à répondre. Également Adolphe Pozitou. Non, vous n'avez pas compris. Fayoulou a donné le préalable. Par exemple, il y a. Obimisa va prisonnier d'opinion, va prisonnier politique au banan, va petit nanga va Jimmy Kitenge, va petit nanga va Barnabé Malingagno, va Momo Mulapu et tous les opposants qui sont orchestrés arbitrairement, bon, qui sont dans les cachots arbitraires. Et Fayoulou a dit clairement. Fayoulou rentre dans la procédure. La procédure actuelle, c'est la procédure il faut aller bas. Orienté Bissot. Or, et là, il est qui Moubé Koli Konzi Ezate. Toko dirige Mboka na Kiboudi Kiboudite, na Eba Imerte. Il faut toi diriger Mboka, le Lenge Mboka, et Zoko Tambola na Constitution. Est-ce que Nana Lobby et Loko Moussou sont en dehors de la Constitution? Pourquoi IDP Sazo se conformer à la Constitution T? Banda Yuko, copiétiner ba loi. Ici, et pour nanin, constitution lobby que non, si nous sommes dans la guerre, parce que guerre est allée, d'abord, il y a beaucoup de difficultés. Est-ce que vous allez déclarer? Bon, maintenant, vous allez être nanin. Nous sommes agressés. Le chef de c'est quoi l'agression signifie? C'est la guerre. Mais pour. Attendez, attendez. On doit la déclarer. Mais j'ai dit ceci. Au lobby, guerre de guerre. Il y a beaucoup présent lobby. Mboka ezali na katia guerre yabitumba président yemoka lobby mais azobanga tozoko banga nini pour ko sala déclaration selon vous parce que c'est un constat na nazo comprendre mais ça m'a quoi ba étape on a nous to franchir mais quand même ba étape ça l'ami on a déjà échoué monsieur India selon la diplomatie on n'a pas pu convaincre les autres. Non, mais seulement, on a vu la réaction des États-Unis d'Amérique. Ça veut dire quoi? Les États-Unis d'Amérique également ont condamné l'agression rwandaise. Mais ils ont toujours condamné. Mais on condamne toujours. Mais dans les temps, on ne condamnait pas le Rwanda. On condamnait le M23, mais pas le Rwanda. On nous a mis dos à dos. On condamne, en fait, les Rwandais. Et on condamne la RDC qui garde en fait le FDLR. C'est ça, non? Et c'est d'accord aussi? Je crois bien. Oui? Je crois bien. Je suis. Est-ce que tout ça n'a pas évidence? Oui. C'est-à-dire que non, pour vider la question, il faut que les États-Unis soient clairs. Parce que FDLR et Zali, en quelque sorte, font des commerces. Il y a Barwandais. D'ailleurs, l'honorable Jeannette vous a bien expliqué par rapport à ça. Le problème, c'est quoi? Il faut que non, mon conseil Mboka Téléma. Côté les maisons, écoutez,
J'ai fait ça parce que la diplomatie peut continuer même pendant la guerre. On a vu. Le premier à faire la diplomatie secrète, il s'appelle Henry Kissinger, le secrétaire d'État américain dans le passé. Quand il y avait une guerre avec la Russie, la guerre froide, mais on continuait, pendant la guerre, on continuait à négocier. Mais ça n'en empêchera pas de faire la guerre au Rwanda et on continue à négocier. Tout le monde a d'accord que le Rwanda a été agressé. Tout le monde. Nous avons, à l'exception de l'IDPS dans le temps, qui faisait manigance naïe. Tout le monde savait que c'est le Rwanda qui est derrière toutes les organisations. Depuis 1998. Qui ne savait pas, Bisongana yo yo zagina no mwa muke na ebiti so bozaya. To sala marche awana Kinshasa na 98. 98. To sala ba bilogo nini na changwa. Nani a yebi ango te que no il y avait agression Rwanda Burundi. D'ailleurs que à cette époque là il y avait même le Burundi. Les lots tout kay kana Rwanda na Uganda, même si bolingi koloba te que no Uganda aussi nous agresse. Bozo ape courage. Nous allons prendre le président de la République Azo ape courage alo bakeno. L'Ouganda aussi nous agresse. Parce que les troupes que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce sont les troupes ougandaises. Deuxième sujet, est-ce que Toyokani clairement toujours le même dossier et bon, toujours situation sécuritaire en Est démocratique du Congo. Nous sommes passés à une autre étape, phase décisive de l'offensive, enfin de reprendre dans un bref délai toutes les localités occupées par l'ennemi. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont engagé mardi dernier des avions de chasse contre l'opposition rebelle du M23. À la suite, en image. La province du Nord Kivu, située à l'est de la République démocratique du Congo, partageant la frontière avec la République du Rwanda, est considérée par les pouvoirs de Kigali comme une zone d'influence économique, une véritable vache laitière. Voilà pourquoi Paul Kagame a l'intérêt d'y maintenir l'insécurité, pillage des ressources minières, coltan, cobalt et l'or, pour ne citer que celles-là. Elles sont exploitées systématiquement par des multinationales sous couvert du Tutsi Kagame, qui a même installé une raffinerie dans son pays, alors que les Rwandais n'est nullement producteur de ces minéraux. Ici est de rappeler que les aéronefs de chasse, deux au total, nouvellement acquis par la République démocratique du Congo, ont sillonné ce mercredi 8 novembre l'espace aérien du territoire de Rutshuru à l'est de la RDC en vue de dissuader l'ennemi M23 et reprendre le contrôle de cette localité. C'est alors que les étudiants de l'université de Kisangani sont descendus le mardi dernier dans la rue pour exprimer leur soutien aux forces loyalistes, des hommes de troupes qui sont déterminés de poursuivre le M23 jusqu'à son dernier retranchement. Tout ça, India Omar, na plateau, na biso, il faut na rappeler ango, mon ambokoza, moko ya ba au cadre ya PPRD, mingi to uti kolanda, makambo ezo sali makuna na goma, bisika pe armé na biso za décidé ya kobenga na banguna na mboka na biso, mais lelo ce qu'il faut kozonga na histoire, bino baye ya PPRD lelo, lobi boyaki na Afdel Balobi, mingi baso kwa kize bino kwa yana ba Rwanda na mboka na biso, est-ce que quelque part boza na part de responsabilité na oezo le kalelo na estere demokrati di Congo? Bon, de toutes les façons, il faut que koluka kobale na no fausse information, reportage ou ya journaliste autour loba awa. Bavion wana ezali, nous avons une flotte aérienne qui nous a permis d'être classé 8e. C'est-à-dire, on a vu les capacités, tout ça, dans l'hélicoptère, Moussousou Kabila Somba, dans le gouvernement. Les deux avions ici étaient en panne à Kisangani. Je crois les Boyomé sont en train de nous suivre. Et ça qui est en panne. Et puis, Kenda Kotika Yango, Bongisi Yango en 2018. Ces avions-là, Sukhoi 25, avions Wana et Volaka, et ont la capacité à voler à 500 km. Et si on les a battus, c'était en position pour que non, l'aéroport le plus proche pour la bêta, ils ont la Kisangani. C'est-à-dire que non, quand ils volent à une grande vitesse, ils peuvent frapper dans les cibles. Que de voler, par exemple, à une petite distance, à cause de la cible, c'est-à-dire que non, à cause de la possibilité de
Kimanuki, même dans quelques minutes, a frappé et a zongi na Kisangani. Pour que l'ennemi, avec les batteries, ne soit pas capable de retrouver ou bien de battre l'avion. Et c'est comme ça que nous, on a toujours pensé que nous, l'avion, il faut qu'on tire bango un peu à distance par rapport à la cible. Vous comprenez? Et les autres qui peuvent être à Pembeni, ils ont un hélicoptère de guerre. L'avion, ils ont un lac. Et ça a été acheté en 2012. Tombé en panne en 2015, réhabilité, c'est-à-dire que sali yango na bongisi yango na 2018, ezako fana na Kisangani. Na mosolo ya l'état, ezo servir moka ezali les kambute. Mais bolo bakakate. Il faut pas plus, il faut la, moni, ce qu'on appelle la continuité de l'état. Problème ezate mais bon ni marape batu. Tomona ki manœuvre, pourquoi on vient répondre? Tomona ki manœuvre ministre de la défense et à finance abimi na TV. Pour le bac, non, 100 millions de dans le mois d'octobre. Vous comprenez? Pour nous flouer, il faut que 100 millions de basali dans le 100 millions. Ils ont fait quoi? Parce que, ils ont fait quoi? Parce que, il ne faut pas que ça soit. Ma preuve. Or, cet avion est de la marque ukrainienne. Ce sont des avions qui ont été achetés en 2012. C'est enregistré. Et c'est ça le travail à Ferry. Fiche de renseignement à l'importation. Fiche électronique de renseignement à l'importation. Parce que nous, on stoppe les mensonges. Vous comprenez? Pour la Rosonga, Ndeko, Olingo Koyeba, voilà histoire. Historique. Y a Lelo. Obengi Singai, Naza Moko, Oyo Naza, témoin encore vivant. Y a Magamnios. Naibi pe histoire, y a Moko Nabiso. Toke na diachronique, méthode diachronique. Oyeza méthode scientifique, y a Kitok. Kolon Aye. D'abord, il retrouve les groupes sociaux. Il retrouve les pays où il y a Boété. C'est constitué par la communauté internationale, les Congo ici. Et voilà les groupes sociaux qui composent, comme sociologue, qui composent la République démocratique du Congo. Et là, on a Otangi en OP, la géographie. Nous avons les Pygmées. Nous avons les Bantous. Nous avons les semi-bantous, comme les Bayaka et les autres. Nous avons les Soudanais et les Nilotiques. Les Nilotiques, ce sont les Ema. Voilà les cinq groupes que ngai yona ngai totanga la classe. Est-ce que nakosi? Parce que cette émission doit être une émission éducative. Mundela aye, pour la coloniser Bissau, il fallait exploiter caoutchouc. Mais à Monique non à Makassi, il faut importer matière première qu'on appelle les ressources humaines. Importer banane, tous. Voilà pourquoi au monde mélange tous na ba ne Congo na ba Congo et tina parti à Équateur pour l'exploitation tobengi. D'abord, l'exploitation à bois, l'exploitation à caoutchouc. Bois, côté Yaba Congo, avec la forêt de Mayombe, et de l'autre côté, le caoutchouc. Oyo, il s'allait que non, les lots Congo, Ezala, et vivre. Ce n'était pas encore la Jekamine. Plus tard, Tango Tobandi, il a fallu côté à chemin de fer. On a tra. Chemin de fer de haute où elle est. SNCC. Bah, Mimi, il souffre. Mendevre Moussousou, Kagaba Rwande. Bah, on construit ce camin. Toujours Mendevre. On a colon à Sirisi Moussala Naye, à Yekotala, à implanter communauté Moussousou. Et ces gens-là sont venus sans. Et ils sont restés avec nous pendant longtemps. Jusque
Nabane 70. Après, Papa Nabiso Sphinx de Limité était ministre de la Justice, na ministre de l'Intérieur. Biloko yaba nationalité wana espèce maga na intérieur na justice. C'est tout justice. Via Zalaki wana. En 1976, un certain Gisaro Muhoza, dont son ombre continue à planer aujourd'hui dans l'exécutif, dans les gouvernements. Frédéric. Louis Frédéric. Papa Nabiso Gisaro Muhoza. Créa le concept de Benyamulenge en 1976. Avec appui à Masanaye, Sphinx, qui était son grand ami, va parvenir à octroyer la nationalité collective. Oyo plus tard, Mobutu, en 1981, aye ko Boma. Et papa wana Gizaro Pé a koufi en 81. Gizaro Muhoza. Voilà la première série. Après Colomb, deuxième série yango wana. Makoko se bandi. Ti na yeto koma na consultation nationale. C'est-à-dire que non, on vivait, et là, l'octroi de cette nationalité congolaise était grâce à un certain Bisengimana, à un certain Kalegamire, dont ambassadeur Oyo, Azaki Congo, Oyo, Outiko Chassé, Aki Masanabiso Alikasi, toi, vous vivrez, naïe, comme on est Kalegamire. Mais à Katitangwaye, à Longwe, qui Congolais, à Baluki, à Komé Rwandais et comme à Karega. Donc, famille Naye, c'est la famille Karegamire. Ce qui a changé, Kaka, après la Kwambriye, Biso, Aye, à Kola, à Botama, à Likasi, à Lubumbashi, c'est dès le milieu, à Tangapewana. C'est dans son milieu naturel. Donc, on dirait que les Rwandais ont eu une époque de colonisation. Mais je suis allé en 1996. Le problème est que les gens ont eu une musique. Ils ont eu une musique. Ils ont eu une histoire. Ils ont deuxième vague. Vague à Liboso et qui permis par les colons. Deuxième vague, ils ont eu l'octroi de la nationalité collective, octroyé par les vieux. Sphinx, na Bisengimana, na Karegamire, na Kalume Mwanaka Hambwe, président du Parlement à l'époque. Ne complot na bango wana. C'est-à-dire ba vie wana oyo mona kawana, ide pesa sakat na kati ya makamboyo. Oh boyoka infiltration, oh tout ça. Ti na mixage na koyeb sabino comment les choses se sont passées. Mais tout mon mingi mixage ça mi na tanga. Zela, zala calme. Zala calme, ti a mai na vinyo na yo. Tu m'as invité aujourd'hui. Tu as besoin. Parce que le problème, c'est quoi? On n'a pas l'histoire de notre pays. On n'a pas de repères. Il n'y a pas de gens qui viennent dire la vérité. Mais par rapport à cette... Mais nous arrivons... On peut comprendre que ces gens qui nous dérangent sont aussi nos frères. Non, j'ai dit ceci. Ah, il y a quelqu'un qui avait dit que... Bazaba frère Nabiso. Parce que nous sommes voisins. Non, il y avait quelqu'un qui avait dit que non, Bazaba frère Nabiso, en Europe. Nakozongela Makamboana. Pour vous comprendre que non, histoire ou anabotika yango, bo lobela kandeng bozo lobela te. Tokomi, na 89, toko na série, après pillage, dossier à conférence nationale souveraine, bini, to bengani Karegamire. Na ba kalume mwanagambo, bazagi na moi, mama boye, papa boye. Mama, se gomona papa congolais, mama, ngambokuna. Romona telaza ti na vague wana bazongi na bango tango bazongi na colère wana ti après pillage te ko koma na 94 94 ma likambo ebandi kengo adondo alobi bato balobi baye bisi gouvernement de rigueur ba ko sabato wana ba rwandais après guerre wana kengo adondo abo. Alors, il s'en va au quota. Exiger. Nabatunaï. Il faut. Il faut. Il faut. Il faut. Il faut. Il faut.
plus loin, ba kota la 4. Mais ba yoka idée à Kengote. Ba lobi que non, comme ba français, ba ki ba pire Mobutu. Ba na besoin que non un jour ba outu ba bozonga nani, il fallait otira bango opération turquoise. Wa ki dano mwana. Peut le ki nan baba en fait messieurs les journalistes. C'est de l'histoire avec les Français. Les Français, voilà aujourd'hui, les Français ne veulent pas. Bah, comme il bah, tu as sima. Pourquoi? Parce que voilà la vérité. Et vérité, wana. So, bah, comment on les locaux soutenir Rwanda? Pourquoi? Parce que, bah, on a problème, wana. Bah, on va soutenir, bah, où tu wana? Auto bengi, opération qui turquoise. Ensuite, on me répond à la question. Nazo répondre. Nazo répondre. Tokomi wana. Toleki na étape wa. Kokoso, 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 kunzoka ba Rwanda wana ba kendaka na conférence na soie souveraine. Oyo banda ko s'exprimer que non baza ba congolais. Que ba koma na difficulté côté kuna pona ko intégrer, ko s'intégrer. Et comment être moi combat to komina 96. Le 18 octobre 1996. Quatre partis politiques. Parti il y a Bouguera de Gracias, parti il y a Kisa Singandu, parti il y a Massa Sunendaka, parti il y a Mzee Laurent Kabila, Basangali, Basali, Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo. Le 18 octobre 1996, Makamoui Bandi. Balobi, tu as la rébellion ou tu as le mouvement de libération ou tu as créé une itinérie. Babi, non, il faut le mouvement de libération. Les mouvements de libération en relations internationales, ils sont différents na rébellion, itinérie et d'autres types de guerres. Ce sont les pays qui viennent au secours. Dans le pays où a Rwanda a été bataillon, Ouganda a été bataillon, Zambie a tiré Babaton, Tanzanie a tiré Babaton, Tchad a tiré, République centrafricaine, Angola a participé dans moins d'ambouyabaïk se katangé. À quel prix? Mais c'est ça. À quel prix? Mm. Je vais arriver à quel prix l'Ukraine est en train de. Et c'est là qu'on parle même de la fidèle. J'ai dit, oui. Commandant Yaba troupe, Oyonyon sur Yaba pays étranger, s'appelle Kabarebe. Parce qu'il n'y avait pas une organisation structurée et armée. Et Kabarebe a été choisi par les armées qui accompagnent l'AFDL comme commandeur. En attendant, tout comme à la Kinshasa, tout structuré, armée, pour tout nommer chef d'état-major général. Et je mets quiconque. Allez, quand la TV, la Gisabiso, ordonnance ou décret, ou nommant, parce que Mouze, Ayaka, na décret, il y a 29 articles. Article, jamais qu'on soit mon colote pour nommer Moutou, à nommer Kabarebe. Kabarebe était, et quand sa mission est terminée, il est rentré chez lui. Quand la mission de l'Angola est terminée, les Angolais sont rentrés avec tous les combats. Les autres là n'ont pas été chassés. Pardon? Kabarebe n'a pas été chassé. Mais tout le monde, quand tu termines la mission, les Angolais sont rentrés chez eux. Les Zimbabwéens, est-ce que vous avez dit que nous avons besoin qui push Lubumbashi, ce sont les Zambiens. Nous sommes passés par la Zambie. Pour Équateur, par exemple, Guadolite, Mobaimbong. Nous sommes en opération spéciale. Et puis à côté, on a droit d'ingérence. Et bisotozo trengalenan. Mais c'est la même forme. Na Ukraine. La Russie vient envahir l'Ukraine. Mais à créer l'Ogomoussous à l'Obi. Non, ce n'est pas invasion, ce n'est pas la guerre d'invasion. C'est les droits d'ingérence pour la protéger. Attendez, pour la protéger la population pro-russe. Vous comprenez?
Mais nakati wana ba américain lelo baza attendez. Ba américain baza na commandement lelo ya guerre na Russie. Ce sont les américains, ce sont les troupes américaines, ce sont les troupes anglais parce que tant que Russie azo kanga, azo capturer quelques militaires ba officiers, azo capturer pe la nini ba troupes oyo il y a britannique, ma troupe, bah éléments. Oui. On veut savoir qu'est-ce que Mouzé avait promis à toutes ces armées-là. C'est pour cela qu'on demande à quel prix. Je suis en train de vous dire, je vous donne une explication. Tous ces pays avaient des problèmes avec Mobutu. En avait marre avec Mobutu. Y compris l'Angola. Genève, presque, n'avait pas de bonnes relations avec tous ces pays. Et c'était une occasion propice pour se débarrasser de Mobutu pour la Kimia et Kotanabango. Pour la Kimia, ils sont venus nous rejoindre. Pour aussi la Nana Mobutu, pour Kimia et Kotanabango. Voilà les prix. Ce que tout ni Angola, Tilelo. Et ça nous a coûté très cher. Ça vous a coûté quoi? Parce qu'il y a une. En termes de quoi? Mais l'occupation que nous avons aujourd'hui, même par. En parlant de votre historique, et si quatre outils, qu'on s'en a un, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Et surtout, dans le régime, il y a un autre remarqué à un moment. Non, mais je vais vous comprendre. Est-ce que Gizaro Mohoza, tant que Zaki a régné dans Mboka, Kabila Zaki a servi à Otami, tant que a créé Banyamulenga en 76, Kabila avait quel âge? Kabila avait quel âge? Il avait. Presque 5 ans. Joseph Kabila. Et là, Gizaro et le vieux Étienne travaillaient ensemble. N'est-ce pas? Donc, nos amis, rappelez-vous, tu peux demander aux gens de l'Onatra ici, ils avaient toujours les Tutsis. Avec eux. Ceux qui ont connu le côté de l'Indien Marie, ils ont connu le côté de l'Indien. Pourquoi tant que Mosé a coté, Babé Banaki n'a pas été comme ça? Non, c'est-à-dire quoi? Tu as remarqué, tant que tu y es, parce que Naza quand même moko. Attention, beaucoup de l'Indien a été. Lelo, naza quand même moko katikati ya bato bayaki na eloko na mobawa. Na yango tolingi obetela biso ya. Na yango nazo loba parce que boza pressé. Na o ebenga maki autre fois mouvement ya libération. Maman. Tu es journaliste. Oui. Faut pas être comme Christian. Bosembe. Que j'aime bien. C'est mon mentor. Oui. Mais restez journaliste. Fais ton travail que tu es journaliste. Même si les achènes naïe, je préfère lui dire. Tika na ligne, za ligne auditoriale na yo, tika la nango, zala au milieu du village. Yabisabiso, babé banakinine. C'est-à-dire quoi? Bangole bazongi. Basisi moussala na bango bazongi. Et ba vaincre ko rébellion à Savimbi. C'est-à-dire qu'on kota na biso, et ça dit que non, ba vaincre rébellion à Savimbi. Ba tounyoso, ba Burundi, ba Sils, ba Rwanda. Comme ils ont toujours l'intention, il y a qu'à gérer Mboka, Nabisso ensemble, il y a qu'à gérer Mboka. Ils ont voulu résister. Et c'est comme ça que nous avons dit, non mais messieurs, on a fini. Vous voulez la sécurité dans votre parti, la partie aux frontières. Tosi to sali yango. Mais bonjour, n'aille pas Nabino. Bango boya. De tout bengani bango. Très bientôt. Deuxièmement, attendez, deuxièmement, Toke San City. Parce que madame, et là, il faut qu'on comprenne le qu'on a Yangoana. Le vieux sphinx de Limete envoie le vieux son directeur du cabinet Mobake. Il a fait 2 ans. Ti a un servant tant aussi d'ici, San City. Bah, ça là, Oyebabengi ASD a signé devant son mentor Kagame. Bah, signé hier na RCD Goma. Pour l'histoire. Rapidement, pour l'histoire, au côté de la plan, il y a Harare, na plan, au fait, ce qu'on a le mémorandum 1 et mémorandum 2, on avait combien de composantes? On avait la première composante RCD Goma, deuxième composante MLC, troisième composante Zali opposition politique,
Vous avez Kokangama na Zaïdi na Papa Etienne. Troisième société civile et na lobby RCD Goma MLC ni opposition politique, société civile na gouvernement. Et nous avions trois entités: RCD KML, RCDN et les Maï Maï. Très bien. Prenons un autre sujet. L'Assemblée nationale a adopté qui, au cours de sa plénière du 8 novembre, une recommandation portant interdiction d'intégrer, de mixer et de brassage des éléments de groupes armés terroristes et autres au sein de forces armées nationales, de la police nationale et des services de sécurité du pays. Tout le monde a été réagi sur la situation. Moi, je suis de même avis avec eux parce que le rôle de l'Assemblée est de protéger la souveraineté d'un pays. Tout le monde a dit que le régime qui a créé des problèmes. On ne peut pas accepter que le régime au sein de notre armée, c'est fragilisé. Notre armée. Moi, je suis de même avis avec le parlementaire. Concernant Blanchard et l'armée à part de ça, pour ça, la biseau est congolais, pour ça, les soldats étrangers sont congolais de la biseau. Puisque les soldats étrangers sont en train de se faire, la biseau est en train de se faire. L'armée congolaise, les soldats sont en belé, même avec les phases, les ballons sont en train. Ce qui m'a conduit à l'ingité, c'est que je suis ici. Je suis un soldat et je suis un kende et je suis un capitaine et je suis un biso. Je suis un soldat et je suis un soldat et je suis un kenya et je suis un ezaka et je suis un biso et je suis un soldat et je suis un soldat et je suis un soldat et je suis un force armée congolaise. Bakende na ese ba bundela biso to kolonga. Si ces missions FCC peut perdre le kabilisme o yozo sa la partie na ngubo sa akize ko kotisa infiltration ya makasi na armée na biso ko fragiliser même armée le lobby tumba est za makasi po bino bokota ki batobele boyoki ndenge population lobby wana biso te po soki to lobby ote ba journaliste mais population zo mona ke na tant on a bino nde mixage za ki makasi maman d'abord on a autoroyé biso que non Gizaro Moza ça zo Gizaro un certain nombre ya Gizaro zo existait. Vous comprenez? Tant que vous créez un cas, vous avez créé un en 76. Kabila Zalagite, vous avez abandonné un azagana makina et un nini. Et tout ça, il y a un mixage. Il faut que vous ayez un mémorandum 1 et 2 de l'armée. Et ça, Kabila, c'est la communauté internationale avec la participation de l'ASD. Oyo, vient de vous Sphinx, il y a limité à Zalaki. Comme Azako ko bunde la popa toi na baya. MLC, soko ke na état major général. MLC a versé combien de gens? C'est le MLC qui avait les Ougandais, les troupes ougandaises. RCD avait les troupes rwandaises avec lui. Batanganda oyo nyoso babuki banani, nyoso ba outi na Arménie. Ya RCD Goma. Vous comprenez? Soko taliba nyoso wana ozomona wana ba outi na ba armée. Et pas une abisso, nous étions seuls au Tobaya qui mixage. Au Babi, composante gouvernement, il n'y avait que les Kadogo et les ex-phases. Baetumba. Et d'ailleurs, na compte Nabisso, c'est Etumba qui était le négociateur. Quand il y a Ngambokuna Zalaki et MLC, Zaki Général Mustafa. Quand on Moussous Zalaki Bouki, Général Bouki. Ozomona. Sokotali, groupe, ba groupe, oe Kotaki. Ba papier wana o va recommander pas parce que chaque composante ezaki ko c'est signé Jean-Pierre Bemba. Il faut pas tourner hier, il faut pas tourner peu parce que auto zo le bela kutu kaka armée mais bien infiltration la bine ko tiki la constitution. On a même remarqué les généraux de non c'est faux na uti ko tangela yo bato ba même constitution c'est l'IDPS qui est toujours là, qui est toujours présent dans les mixages. L'IDPS n'a jamais depuis 1960 l'IDPS a toujours été là dans les mixages.
Deuxièmement, toye lelo. Mamakamo ezo le kaana. Tobundi na M23. Le mouvement du 23 mars 2013. Je vous en prie. Biso to signa accord. Tant to signa accord na SNDP. Pona mboka. Eza M23. Bape baso kosa. Oko la kisanga accord biso. Gouvernement est signé accord. Na oyozo lo baketo lo bigeno to sala boye to sala boye. Mais bino bo signé accord le 12. Nani gouvernement oyo ya ni régime oyo. Ya président Félix. Ba signé accord le 12 juillet 2019 na Rwanda na M23. Ba signé pe oyo ba bengi fait de route le 28 octobre 2019. Po bazwa problème ezali engagement bazo respecter engagement te. Ba signé accord et peut pas boya ko négocier na bango. Mais na lobby non kende otala ibalanki. Le problème, ce n'est pas nous. Le problème, c'est que vous récitez, bah, fait. Si vous n'êtes pas le problème, vous êtes là, bah, na pouvoir, en tant que 18 ans. Jamais, parce que, vous décrétez état de siège. Vous avez remarqué, allez vers l'information. Allez vers les renseignements. Vous avez remarqué, vous-même, vous avez remarqué que Tozalagi a infiltration. Bah, toi, on a depuis qu'à la... Cher ami, à l'époque, comme Tozalagi a une carte d'identité, Tozako Salawa, élection en 2006. Vous voyez bien, oui, 2006. Balobi, il faut que vous pour que vous ayez des Congolais, il faut que vous ayez 5 personnes qui vont témoigner que vous êtes Congolais. Vous comprenez? Il y a un problème, mais il y a un problème. Il y a un problème. Phénomène. Et ça, il dépasse. Nous sommes à la fin de l'émission. C'est-à-dire que tout le monde peut aller. Il dépasse. Mais c'est dit. Pardon? Il dépasse que nous même une élection. Dans l'objet, boyé. Mais quand on a la ASD, signature, au moins il y a un bombi, un bilogue, un trois, un contrat léonais. C'est la même chose. Nous sommes à la fin de l'émission, mais nous sommes à la L'IDPS, c'est un axe du mal pour ce pays. C'est un acte du mal pour ce pays. Et je vais vous dire, parce que au moins les lots, au moins tous ça, d'ailleurs, écoute, au début, maman, le banquier, il y a une guerre commerciale. Tous ont vu une guerre commerciale. Comme la sous-émission, votre mot de la fin, en tant que patriote, en tant que patriote, n'a dénoncé qui déjà au début. Tant qu'on a eu qui m'a dit, oh non, route, il y a une route, il y a une route, conflit Bandiwan. Bayeko tout na bango oko tout na bango 500 1 demi milliard ya Exim Bank. Ezande nini parce qu'on a envoyé deux ministres. Premier ministre Aliboso Zaki Ngopos. Deuxième ministre Zaki Gizar. Oba tinda kaye po bakosala nzela wana. Est-ce que totalango misu Malheureux, tu avances déjà. Votre mot de la fin. Maintenant, il y a un mot de la fin. Mot de la fin. Ezali ya kolenge la population. Population tozana bitumba. Toko senga orientation et pas mokonzi mboka. A sinise biso ordonnance ya ko déclarer guerre. Bati la biso loi qui fixe les modalités de cet exercice. Pour ndengeni toko respecter makamboyo et puis to yeba. On a besoin de combien et répartition il y a nombre par exemple par tous les 26 provinces chaque province a donné combien pour to renforcer mécanisme il y a biso et puis to yeba que tous en a besoin ba étranger ba koya ça sa bisoté to compter sur nos FRDC. Très bien. Parce que bangonde ba si ba sali déjà expérience à Liboso bangonde mutu ba sala ki que non ba neutraliser M23 malgré que non IDPS ayez qu'on ressuscité M23 en 2019. Vous comprenez? Et puis toyoki que M23 union sacrée bon on a déjà M23 na katia union sacrée parce que Runiga pasteur
alobaki aza déjà assez à sali déjà alliance na IDPS aza déjà dans l'adhésion il faut pas longola bon bengana bango na union sacrée potoyeba effectivement tomi kota tomi lenge la biso nyoso de manière à ce que guerre wana to bunisa Rwanda et to vaincre souci ya biso population zali que toki ba déclarer kaka guerre pas biso tout au kokota makamango ba bengi bino unité cohésion nationale problème exactement biso to lingi règle apparemment c'est la fin de l'émission to lingi règle là se conforme pas se conformer na règle ya constitution au Mario Andima ko na mitune na biso merci na Jacques oh voilà ki na biso merci na bino bolandi biso partout force na FARDC oh bazali toujours wana ko bunda et tumba pona mapinga ya mboka na biso bazoluka ko bunda pe ko longa tous ensemble na bino toujours banambo katokutani mikolezali kuya na invité à sikama toujours avec le même plaisir.